Bienvenue sur les podcasts de Tech 15, animés par Jean-Paul Cazeneuve, Vue du banc met en avant le quotidien des entraîneurs, des préparateurs physiques et des analystes de rugby. Quelle est la vision de leur sport? Quelles sont les particularités de leur métier? Pourquoi ce jeu est-il appelé à évoluer en permanence? Pour le découvrir, Vue du banc est allé à la rencontre de ces hommes et de ces femmes passionnés de rugby. Allez, c'est parti! Dans ce nouvel épisode des podcasts de Tech 15, nous avons voulu analyser au plus près le rôle du manager tout au long de la phase finale d'une compétition, celle qui fait suite bien évidemment à la phase de qualification. Comment gère-t-on une équipe à franchir cette frontière qui plonge le groupe dans l'incertitude de l'avenir, certes, mais tout en restant toujours animé par la volonté d'aller jusqu'au bout de l'aventure, autrement dit de monter sur la plus haute marche du podium. Est-ce une simple affaire de discours, de nouveaux éléments de langage à adresser au staff comme aux joueurs? Ou s'agit-il plutôt de sensibiliser l'ensemble du groupe à un nouveau projet? Sur quel levier le manager va-t-il appuyer pour garder intacte confiance et motivation? Ou bien le groupe est-il prêt tout simplement à enchaîner ces deux phases sans stress particulier? Pour en parler avec nous aujourd'hui, Laurent Tilly, sélectionneur de l'équipe de France de volley de 2012 à 2021, champion olympique à Tokyo, on s'en souvient, le Japon où il demeure d'ailleurs encore au titre d'entraîneur des Panasonic Panthers. Bonjour Laurent Tilly. Bonjour, bonjour à vous. Ce titre olympique, le premier de l'histoire de ce sport, a été conquis de très haute lutte. Tu vas nous le raconter dans le détail, mais dans un premier temps, que reste-t-il dans ta mémoire émotionnelle, de ce parcours qui a ressemblé à tout, sauf à un long fleuve tranquille? Eh bien, en fait, il y a tout qui s'effondre quand on remporte le titre olympique. Enfin, moi, il y a tout qui s'effondre, et je vois d'un coup le parcours de 9 années de compétition, d'entraînement, de galère et de joie. Pour arriver à un titre olympique, j'ai l'impression qu'il faut que toutes les étoiles s'alignent, qu'il faut maintenir le cap, qu'il faut louvoyer un peu en fonction des échecs ou des victoires. Mais quand le titre est arrivé, j'ai vraiment vu défiler les 9 années les unes après les autres et pratiquement les matchs après matchs et les compétitions après compétition. Pendant que les joueurs se jetaient dans les bras les uns des autres, toi, en fait, tu étais un peu presque effondré, quoi. Ah, complètement. En fait, c'est tellement violent et c'est tellement énorme comme résultat que on n'est pas prêt, en fait. Et je me souviens, la réflexion que je me fais toujours, c'est on est tellement heureux qu'on a envie de rendre les gens heureux aussi, encore. Tous les gens qu'on croise, on a envie de les rendre heureux, on a envie de les voir sourire. C'est un bonheur transcendantal et c'est un sentiment extraordinaire. Sportivement parlant, est-ce que tu peux nous résumer ce parcours olympique qui est, comme je le disais, qui est loin d'être un long fleuve tranquille, hein? Oui, bah, en fait, notre parcours aux Jeux Olympiques est le résumé de notre parcours des 9 années. On n'a jamais été une équipe dominante dans le monde du volley. On avait un réservoir de joueurs assez restreint, donc il fallait qu'on soit tous performants et non blessés. Et souvent, les équipes qui ont gagné des médailles d'or aux Jeux Olympiques ont mis en place une nouvelle stratégie ou une nouvelle façon de jouer ou un nouveau joueur, etc. Et nous, j'ai l'impression qu'on s'est appuyé sur ne pas gâcher nos possibilités et nos capacités et essayer de bien faire ce qu'on a à faire. Et en fait, c'était une victoire dans la simplicité de ce qu'on pouvait faire en gardant notre identité et nos atouts. J'ai encore en mémoire les mots de Claude Onesta, que je ne présente pas, hein, c'est pas la peine, surtout à toi, qui est convaincu, me disait-il l'autre jour, que c'est dans la douleur et parfois dans la galère qu'une équipe se soude vraiment et trace mieux son chemin vers la victoire finale. Et il me dit, toutes ces compétitions que j'ai gagnées avec l'équipe de France de handball, c'est dans des parcours de galère. Tu partagerais cette opinion? Tout à fait. Parce qu'en fait, quand on est dans un parcours de galère, et qu'on est non pas dans « oh, c'est le bout du monde, c'est fini », mais plutôt dans une démarche de progression, on arrive à créer une étincelle, un espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie, et tant qu'on est dans la combat et dans la lutte, on n'a pas de certitude. Et quand on n'a pas de certitude, notre intellect est plus apte à s'adapter ou à continuer.
Souvent, les compétitions où on s'est un peu planté, c'est soit qu'on avait des blessés, soit qu'on était trop sûr de nous-mêmes. Et alors que quand on est dans la galère et dans la combativité, eh bien, on est dans le rythme et on est prêt à tout. En fait, j'aime souvent dire, il faut se préparer au chaos. C'est ça. Chaos, pas chaos, chaos, chaos. Oui, je comprends. Et toi qui as eu 406 sélections en équipe de France en tant que joueur, est-ce que tu as vécu ces parcours chaotiques et de galère aussi parfois? Oui. Et c'est là où on a fait des médailles parce qu'on s'y attendait pas, mais là où on voulait faire des médailles et qu'on était un peu trop sûr de nous-mêmes, on n'a pas fait les résultats qu'on voulait. Et donc cette expérience de joueur m'a énormément apporté en tant que coach. Pour être un coach qui relève de tels défis, est-ce qu'il faut avoir une grosse expérience de joueur, un gros background, comme disent les Anglais, qui est là et qui va aider le manager, le sélectionneur, à mieux appréhender les problèmes? Je crois qu'il n'y a pas de vérité, mais moi, en ce qui me concerne, ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, j'essaye d'avoir le détachement d'un entraîneur et du coach, mais en même temps, j'ai en moi les 21 années de volleyball professionnel et mes 400 sélections en équipe nationale. Et en fait, je suis dans le même état que les joueurs. Donc en fait, je les comprends, je ressens. J'ai le corps qui a les mêmes réactions que celui des joueurs, et je pense que je l'utilise pour me détacher et pouvoir mieux conseiller ou mieux diriger. Je pense que Fabien Galthié est un peu fait comme toi, et on fera une parenthèse rugby tout à l'heure et on en reparlera. Comment tu as fait basculer tes joueurs de la phase de qualification sur ces JO de Tokyo à celle du sprint final? La frontière dont je parlais tout à l'heure, comment tu l'as fait franchir? Cette frontière-là, c'est vraiment une période, mais j'appelle ça une période grise. C'est une période d'attente, mais c'est aussi une période d'excitation, parce qu'on est sorti de la poule, donc il y a un certain soulagement, et en même temps, il y a une certaine excitation, parce que on sait que chaque match est couperet. Donc, en fait, c'est vraiment passer dans le mode survie, on n'a plus de chance. Survie, on n'a plus de chance. Survie, on n'a plus de chance. Et donc, c'est un nouveau mode de fonctionnement. Par contre, à dire la vérité, je pense que sur les Jeux Olympiques, ce basculement de la phase de poule à la phase de élimination directe, phase finale, elle s'est autogérée par les joueurs grâce à l'expérience des 8 années précédentes. C'est ça. Grâce à la maturation des joueurs. Parce qu'en fait, je suis intimement persuadé qu'à un moment donné, les joueurs doivent se prendre en charge. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui vivent, c'est eux qui sont moteurs. Et tout ce qu'on peut donner, tous les conseils ou les consignes qu'on peut donner, ça vient de l'extérieur. C'est froid, c'est mort, c'est de haut en c'est unidirectionnel, alors que pour survivre, il faut que ce soit ça vienne de la part des joueurs. Ouais, Et ça a été la force de cette formation. l'instinct de survie, en fait. Dans quel état C'est ça. émotionnel était ce groupe, justement? Tu as mesuré tout ça juste à la frontière quand il a fallu basculer, là. Je l'ai laissé faire parce qu'en fait, on a eu une grosse période de doute dans la phase de poule. On a commencé par des défaites, une qui n'était pas forcément attendue. On était Oui, au face aux bord de États-Unis et face à l'élimination. l'Argentine, Enfin, voilà, ouais. exactement. Alors les États-Unis, ça pouvait passer, mais les Argentines, non, on devait les battre. En perdant contre l'Argentine, on était mort. Et donc là, il y a eu une prise en main de la part des joueurs qui avaient déjà vécu les Jeux Olympiques et qui ont amené l'équipe là où elle devait aller. Mais il fallait avoir suffisamment confiance au groupe, se détacher et les laisser faire, les laisser revenir en fait. Et voilà, et Ouais. ça s'est fait un peu tout seul. Alors à Tokyo, pour ces JO, est-ce que tu avais fait appel à un préparateur mental pour le groupe ou pas? Non, j'avais fait sur les 2 3 ans avant. Là, j'avais moins à faire. J'avais pas fait intervenir un préparateur mental. Non. Dans ce genre de situation, on s'appuie toujours sur certains joueurs en particulier. Qui c'est qui prenait la parole dans le vestiaire? Alors en fait, la parole dans le vestiaire, c'est surtout moi qui l'avais.
Et par exemple, après notre première défaite contre les Américains, j'ai eu des mots assez durs. On a eu un débriefing à chaud, puis un débriefing à froid. Ça a été assez dur comme débriefing. Et alors que la débriefing après l'Argentine, où on était complètement éliminé, je pensais que je n'avais plus de rôle c'était pas mon rôle d'intervenir, mais c'était aux joueurs à se prendre en charge. Et donc, on les a laissés s'auto-réguler. Et ça a été surtout les anciens, les leaders de jeu, les leaders d'équipe, les ceux qui ont le plus d'expérience pendant les jeux, qui s'en sont occupés. Qu'est-ce qui peut fragiliser la cohésion d'une équipe, justement, au moment d'aborder cette phase finale? Ça serait justement des leaders qui prennent pas les choses en main? Ça pourrait être ça? Oui, ou des leaders qui pensent que ce sera facile ou que tout ira bien, ou des leaders qui se mettent en retrait parce qu'il y a le stress qui monte. C'est surtout ça, mais c'est surtout l'attente qui est longue, c'est surtout l'attente qui est difficile à gérer. Donc c'est dans l'attente, les joueurs se perdent dans les médias, dans les Facebook, Instagram, les réflexions des uns des autres, et surtout la lecture des médias. Comment les joueurs peuvent se faire influencer par les médias, et ça c'est très difficile à gérer. Oui, on peut pas leur interdire de lire. On peut pas leur interdire. Le non, téléphone portable, non, mais... tout ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine responsabilité, une certaine maturité des joueurs pour arriver à se détacher, parce que nous, on n'est pas des gardes-chiourme, mais on n'est pas là pour mettre des barrières. Et on peut pas le faire de toute façon. Alors, parenthèse rugbystique, hein, je sais que tu n'es pas insensible à ce sport. À l'heure où l'on se parle, Fabien Galthié ne sait pas s'il pourra compter sur Antoine Dupont. Toi, tu as pas connu jamais ce genre de problème avec N'Gapet, par exemple. Si. C'est la pire des situations. Parce que soit on compte sur lui, soit on compte pas sur lui. Dans ces deux cas-là, la situation, elle est claire. Mais quand la situation est grise, en fait, la performance n'aime pas les situations grises. Elle n'aime pas les situations floues. Oui, quand tu dis période grise, ça veut dire que c'est flou et qu'on perd ses repères, c'est ça? On ne sait pas s'il va jouer. Oui, non, on ne sait pas quelle décision prendre. Ah. On ne sait pas s'il va jouer, on ne sait pas s'il peut pas jouer, mais on ne va pas prendre le risque de s'en passer, mais on ne peut pas prendre le risque de le mettre à l'écart. C'est ça, cette période grise. Et il faut mieux trancher vite. Ok, il est apte, il y va, il se reblesse, bah tant pis, on a joué le coup, ou voilà. Mais c'est toutes ces incertitudes-là qui font douter, qui font cogiter, qui font qu'on perd de l'assurance. Oui, alors N'Gapet, alors lors de ces JO de Tokyo, tu as dû le surveiller de près comme le lait sur le feu pour que surtout il se blesse pas, par exemple. Voilà, c'était la consigne pour mon préparateur physique, Christophe Keller. Pas de blessure. Bon, il y en a peu dans le volley. Ah si, ah non, on en a beaucoup. Par exemple sur les championnats d'Europe un an avant en France, oui. La demi-finale contre les Serbes, on perd 3-2. Il y a Kevin Tilly qui se blesse, Julien Linel qui se blesse, Thibaut Ressort qui se blesse, trois joueurs majeurs qui se blessent. C'est difficile. Et Erwin Gepet, c'est arrivé sur les championnats du monde précédents en 2018 ou les championnats d'Europe en 2017. Donc quand la star se blesse et qu'on le garde parce que on espère qu'il va jouer. Voilà, ça c'est la période un peu difficile, un peu plus compliquée. Une période grise. Donc tu te mets un peu à la place de Fabien Galthié en ce moment, quoi. Tout à fait. et je suis curieux de ce qui va se passer. Ouais, tout à fait. Les joueurs s'attendent à vivre quelque chose de différent. Hein. Je pense en particulier aussi à ceux qui ne vont pas beaucoup jouer ou pas jouer du tout d'ailleurs. Est-ce qu'il faut les mettre de côté? Est-ce qu'il faut les garder dans le groupe? Les inclure, les motiver aussi? Comment ça se passe là? Au volley, on est tous sur le terrain. On est 14 sur la feuille de match. C'est vrai qu'au rugby, c'est ceux qui sont sur le terrain, il y a ceux qui sont sur le banc et puis ceux qui sont en tribune. Ils doivent faire partie de l'équipe. Et s'ils ne font pas partie de l'équipe, s'ils n'ont pas cet enthousiasme, ce serait dommage. Je pense que la motivation, elle va de soi entre guillemets. Surtout sur des matchs couperets comme ça, parce que on sait que
si on gagne, bah ça continue. Si on perd, c'est fini et voilà. Et après, on se voit plus. Donc, je pense que la motivation, elle est vraiment à 100% à ce moment-là. Ouais, il faut cultiver ce sentiment de survie. Oui. En tant que manager, est-ce que tu as ressenti que ton équipe était à un moment animée d'une détermination hors du commun, qu'il y avait probablement une affaire de destin qui était en train de se jouer, que rien ne pouvait lui arriver? À un moment, tu as mis le doigt dessus et tu t'es dit, ça y est. Oui, mais quand on le voit, on se dit, oh, surtout ne pas le dire parce qu'on a peur que ça disparaisse. Et on a toujours peur de dire un mot de travers ou de faire un entraînement de trop ou de donner des consignes de match trop compliquées ou trop simples. Mais c'est vrai qu'à partir, en fait, à partir du moment où on a basculé dans les phases finales, moi, j'ai l'impression que mes joueurs n'avaient plus la pression. Sauf peut-être pour la demi-finale contre l'Argentine. Que, en fait, on jouait sans penser au résultat, mais qu'on jouait pour jouer. On jouait comme on pouvait le faire. Et donc, on a réussi à inverser la pression sur tous les matchs. Parce qu'à un moment donné, on était plus solide mentalement et qu'on ne pensait pas au résultat, mais qu'on pensait qu'au plaisir de jouer et de faire le prochain point. La pression inhibe le joueur. La pression inhibe le joueur. D'accord. Oui, oui. Surtout sur les moments chauds. Les fins de set pour nous, en ce qui concerne les fins de set ou le tie break, etc. On a toujours réussi à inverser la tendance parce qu'on jouait sans pression, une fois qu'on était sorti des poules. Et donc, à partir de la demi-finale, tu t'es dit, mon équipe est devenue un écosystème à part entière, autonome, autodéterminé, prêt à renverser les montagnes. Exactement. Ah oui, exactement. Ce que Pierre Dantin, qui est vice-doyen de la faculté des sports d'Aix-Marseille et que tu connais peut-être, qui dirige le laboratoire de psychologie du sport, appelle la communauté de destin. À un moment, la communauté d'objectifs, c'est-à-dire devenir champion du monde ou champion olympique, se transforme en communauté de destin, c'est-à-dire que tout le monde est sur la même longueur d'onde pour aller jusqu'au bout. C'est ça que tu as ressenti? Tout à fait. Et la sélection a été faite en ce sens-là. C'est-à-dire que la sélection devait être faite non pas pour les individualités et non pas pour les meilleurs joueurs, mais que tout le monde accepte les qualités et les défauts de chacun pour un seul objectif, faire une médaille aux Jeux Olympiques. S'oublier au profit du collectif. Tout à fait. Et que ce soit les titulaires ou les remplaçants. Les remplaçants. Et donc c'est vrai que la sélection et le groupe a été construit pour ça et uniquement pour ça, parce que à un moment donné le résultat de l'équipe va aller avec l'état d'esprit collectif, avec la bienveillance collective, avec l'amour collectif. Et si on n'a pas cette cinquième dimension, on peut pas faire de résultat. Je ne vis pas à l'intérieur du groupe de l'équipe de France en ce moment, bien évidemment, comme des millions de Français, mais on a quand même le sentiment que c'est ça qui est en train de se passer à l'intérieur de ce groupe et que ça pourrait le porter encore plus loin. Tu le ressens aussi, toi, ça? Oui, quand je les ai côtoyés, quand j'étais allé les voir au Japon jouer à Nagoya, c'est exactement ce que j'avais ressenti, c'est cette union. Et cette détermination dans l'objectif final. Je reviens sur les JO. Tout ce parcours, donc, il est à l'image de la finale qui nous a offert un scénario totalement dingue. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, émotionnellement, c'était dur à vivre hein, quand même pour un téléspectateur comme moi, par exemple. C'est gentil, mais je te rassure, pour moi aussi sur le terrain, parce que quand il a fallu que j'écrive la rotation de départ du tie-break, j'avais les mains qui tremblaient. Non, c'est vrai que comme quoi le destin, ça se joue à pas grand-chose. Juste une remarque, les Russes sont archi-favoris. Premier set, on est dominé 22-18. Ouais. Les Russes, nous on attaque, les Russes défendent et font le point, donc ils sont à 23-18. Et là, Deus ex machina, l'arbitre dit, hop, faute de pied de l'attaquant de 1 mm sur la ligne. Et effectivement, il avait mordu. Donc, le point, au lieu de faire 23-18, ça fait 22-19. Et ce point-là nous fait gagner le premier set et nous fait gagner le deuxième set. Un point. Puis les Russes nous regagnent troisième et quatrième parce qu'ils reviennent à leur niveau. Oui. Domine et le tie-break,
on part alors qu'on est mené 3-0 et 4-1. On a 3 points d'écart au tie-break à 7-4, ce qui est énorme. Et là, on se met à jouer sans faire de faute et on passe devant les Russes et on gagne. Et est au sommet de son talent. Tout à fait. À ce moment-là. MVP quand même, hein. Et MVP des Jeux Olympiques. Ouais. Si je t'ai bien compris depuis le début de notre entretien, un sélectionneur n'a pas un logiciel tout prêt pour gérer la conquête d'un titre. Il faut s'adapter en permanence. Je pense que c'est ça. Il faut avoir une ligne directrice. C'est-à-dire, une ligne directrice très simple. Avant de performer aux Jeux Olympiques, il faut que tous les ans, on monte sur un podium. On a 2 à 3 compétitions par an. Il faut tous les ans au moins monter sur un podium. Parce que c'est en s'habituant à faire des podiums qu'on va s'habituer à vivre des finales et gagner peut-être les Jeux Olympiques. S'habituer à gagner, quoi. Et voilà, s'habituer à gagner, responsabiliser les joueurs. Enfin, avoir une hiérarchie et responsabiliser les joueurs et faire confiance aux joueurs. Je ne suis pas, à un moment donné, je voulais faire un peu à l'anglo-saxon, ce que font un peu au rugby, c'est-à-dire gérer les joueurs en statistiques, autant, etc. Et je, au volley, j'y arrive pas. Et je préfère, faire à l'instinct et coacher à l'instinct et que mes joueurs jouent à l'instinct. Priorité. Le volley aussi, c'est un sport qui, priorité à l'instinct, travailler l'instinct, travailler des réponses semi-automatiques pour que les joueurs soient complètement libérés du stress et de la voilà de la peur. Priorité à la relation humaine en quelque sorte. Aussi avec le groupe d'équipe de France, j'ai beaucoup appris à manier l'humour, à prendre sur moi aussi, mais je pense qu'on fait passer beaucoup plus. Les messages sont importants et ils passent mieux aussi. Un peu d'humour, un peu d'autodérision, moi y compris. Et le moment choisi est important. C'est-à-dire que même si j'ai un débriefing ou des idées à faire passer ou des messages à faire passer, je pense que le moment du message et le lieu du message et la manière dont j'adresse le message sont plus importants que le message lui-même. Et pour ça, il faut garder un petit peu de recul et de hauteur par rapport à la vie du groupe, quoi, pour justement analyser le bon moment, quoi. Exactement. Il faut pas se précipiter et dire ah voilà. Ouais. Il faut avoir suffisamment peut-être d'expérience ou de bouteille ou j'en sais rien, mais ne pas se précipiter sur la communication. Il faut prendre le temps. Et je sais que c'est un peu contraire au temps actuel où il faut des réponses de suite. Non, il faut prendre du temps et choisir le bon moment. Dans le volley comme dans le rugby, il y a des datas qui prennent de plus en plus de pouvoir ou pas? Ah, nous, on est, oui, je pense qu'on est, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on est inondé de data. On analyse toutes les actions de jeu, toutes les balles touchées, la qualité de la balle. Et donc, en fait, il y a comme tellement de data qu'on pourrait se passer son temps à regarder les data. Mais en fait, le data, à un moment donné, il a aucune valeur. Parce que même si Ngapet, par exemple, il a des mauvaises, entre guillemets, notes ou data, il sera quand même sur le terrain. Parce qu'il a une valeur ajoutée humaine, de confiance, de combativité, de leader. Et donc, il faut se méfier des datas. Il faut les utiliser pour l'entraînement, pour progresser. Mais les datas pendant un match sont complètement différents. Mais un leader, même un petit peu fatigué ou un peu blessé ou pas à son niveau habituel, il faut le laisser dans le groupe. Il faudra certainement le laisser plus longtemps que les autres. Comment se passe ta vie au Japon avec les Panasonic Panthers? c'est une culture complètement différente. C'est très intéressant de voir leur façon de s'entraîner, leur engagement, leur respect des consignes, respect des autres. Et c'est une façon de travailler qui est complètement différente de l'Europe. Et ça, je trouve ça intéressant.
Après, au Japon, le volley, pour moi, c'est la NBA du volleyball. On a les mêmes structures, les mêmes conditions. J'ai un gymnase de 3 terrains, j'ai 10 adjoints, j'ai 20 joueurs, 18 joueurs, alors qu'en France, c'est 12 et 14 joueurs. C'est complètement différent. Et c'est ça qui est enrichissant, parce qu'on essaye de, j'essaye de performer avec une nouvelle culture, une nouvelle façon d'entraîner. J'ai toujours la barrière de la langue qui est frustrante, parce que décidément, j'arrive pas à apprendre le japonais, mais c'est très, très intéressant. Et tu es auréolé d'un titre de champion olympique à Tokyo, donc sous leurs yeux. Donc aujourd'hui, tu as une aura probablement qui est conséquente. Le retour est incroyable. En plus, Panasonic, c'est un partenaire du comité olympique du CIO. Donc oui, c'est vrai que ce titre-là m'aide bien. Il y a un retour, M'aide bien. il y a un Il y a un retour en, retour, un il y a retour d'image. un, c'est pas ça que je voulais dire. Il y a un retour en France Ah. qui est prévu? Ah, pardon. Je sais pas encore. Là, je suis en fin de contrat. C'est normalement ma dernière année, mais on va voir si on continue ou pas. Il faut attendre quelques mois encore. Est-ce qu'on peut imaginer que Laurent Thierry revienne à la tête de l'équipe de France de volleyball? Je sais pas. Pas pour le moment, D'accord. Bon, en tout non. cas, merci Laurent d'avoir participé à ce podcast et merci aussi de nous avoir dévoilé les nombreuses facettes du métier de sélectionneur. Voilà. Merci beaucoup Voilà. Et à très vite. merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté notre podcast. Celui-ci vous a plu? N'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur les réseaux sociaux de Tech15 pour ne louper aucun épisode. Vue du banc vous retrouve très vite avec de nouveaux invités.